L'entraîneur Jean-Paul Akono dans un état critique, c'est le moins que l'on puisse dire. L'ancien sélectionneur des Lions Indomptables, médaillé d'or olympique à Sydney 2000, s'est rendu le vendredi 30 mars 2023 à l'hôpital général de Yaoundé pour des soins. Malheureusement, faute de moyens financiers, il n'y passe que 2 jours. Actuellement, Jean-Paul Akono est chez lui dans un état très grave. La prothèse dans son genou droit depuis 10 ans lui a entraîné la perte de sensibilité dans la jambe et une raideur au genou, entraînant des douleurs et des infections. À cela, au vu de sa situation actuelle, s'il n'y a pas réaction immédiate, l'ex-sociétaire du Canon sportif de Yaoundé risque une amputation de la jambe. Plus grave encore, pour cette légende camerounaise, c'est pas la première fois que sa santé est sujette à caution. En 2013, pour le rappeler, Jean-Paul Akono bénéficiait d'une évacuation sanitaire en Europe. Une fois encore, la situation actuelle mérite une attention particulière, voire une autre évacuation immédiate et de toute urgence, afin d'éviter le pire.